Raffle avec 9.612 devant le Coréen Okur Yul Yu avec 9.418, troisième donc Sergei Rarkov. Mais attention aux Chinois Feng Wang. On sait que les Chinois sont des gymnastes très toniques et qui ont été toujours très performants au saut de cheval. Ronda de Tsukihara, double vrille. Un saut qui maintenant dans les classiques de la gymnastique est vraiment ce que l'on appelle l'un des classiques. Alors regardez, le quart de rotation avant de poser les mains. Et lorsque le corps est en l'air, une vrille et demie. Vous voyez les deux mains parfaitement rapprochées au plus près du bassin, au plus près du nombril, pour simplement avec l'orientation des épaules, pouvoir accélérer la vitesse de rotation dans les vrilles. Là aussi, si l'on veut critiquer au maximum la technique, vous voyez, beaucoup d'ouverture, extension dans ce corps, alors que le corps devrait rester comme un bout de bois, très droit, à la limite légèrement incurvé, les pointes de pied remontant. Et là, il y a des flexions, extensions. C'est aussi une forme d'apprentissage pour accélérer la vrille comme un chat. Lorsqu'un chat tombe d'une hauteur, vous le voyez, ce qu'on en appelle le cat twist, c'est-à-dire que c'est les fermetures et les ouvertures du corps qui lui permettent d'acquérir cette vitesse de rotation longitudinale. Mais lorsque l'on réalise ça à partir d'un saut de cheval, on n'a pas suffisamment de temps pour aller jusqu'au bout, et donc la réception se fait avant que l'ensemble de ces vrilles soient terminées, ce qui explique le petit déséquilibre à la réception. 9.418 pour le premier saut de Wang Fang, qui va s'élancer pour sa deuxième réalisation. Feng Wang, le Chinois, qui aimerait bien accrocher un podium. Il faut dire que les Chinois ont été assez décevants ici à Barcelone. La meilleure place au concours général d'un Chinois, eh bien, c'est une 13e place pour Wang Wadong. Et voici le deuxième saut de Feng Wang, qui a l'air satisfait. Saut avec une seule vrille, exactement le même que nous avons vu au départ, mais vous le verrez sur les images au ralenti en étant très attentif. Une seule rotation longitudinale. Le quart de tour, et là il lui reste trois quarts de tour. Vous voyez, le corps bouge moins en flexion-extension, et ce qui lui permet de stabiliser parfaitement la chute. Je vous le disais, donc les Chinois qui ont un petit peu perdu au niveau, aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau de leur talent pur. La meilleure place réalisée en concours général, c'était donc celle de Wang Wadong à la 13e place. Wang Wadong, qui n'était que le seul Chinois présent dans ce concours général. Feng Wang est le deuxième Chinois présent dans une finale. Hier, nous avons pu suivre Liping Wuyang, et Feng Wang obtient 9.375. Il est troisième pour le moment et il est satisfait. Si les choses en restaient là, il décrocherait la première médaille.